squats, des pompes. Ici, les exercices s'enchaînent frénétiquement, sans repos. On vient au 610 Force Training pour souffrir. Le but, être en forme au quotidien. Depuis 3 ans, ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure du fitness à la dure, version 610 Pool. Ils ont rendu comment leur truc ? C'est le dépassement de soi, ils ont gagné. Ils ont tout gagné là, putain. Vas-y, non, ils touchent le sol, ils touchent le sol. Tac. Alexandre et William Galin, les créateurs de l'événement, l'ont très bien compris. Ici, on participe en famille, papa, maman, les sœurs et bien entendu les amis. Tout le monde est mis à contribution. Et tu gères ou c'est moi qui gère ça ? Ben, tu fais comme tu veux. Si tu as... Moi, c'est bien que c'est toi qui gères. La famille, on l'intègre tout le temps. Que ce soit, en sachant que l'association, elle est fondée avec la famille. Ma mère, elle est présidente. En gros, histoire familiale. Une histoire de famille qui a débuté il y a plusieurs années avec la danse. Aujourd'hui, place au fitness. Et dès l'échauffement, le ton est donné. Débutants confirmés, les athlètes sont logés à la même enseigne. Ils sont là pour se dépasser, sans esprit de compétition. L'intensité des exercices proposés par les deux frères varie selon le niveau du participant. Tout le monde suit le même programme, mais à son rythme. Notre engagement, c'est justement de pouvoir rassembler toutes ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a différents âges, différentes puissances de travail. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement les pousser toujours vers le haut et qu'ils puissent ne jamais lâcher et se dire « Ah là, je suis fier de moi-même, vraiment ». Il est certain qu'avec un coach qui ne vous quitte pas d'une semaine, vous repoussez forcément vos limites. William et Alexandre insistent sur ce point. Chez eux, les coachs sont là pour éviter les pauses et corriger les mauvaises positions. On a pris énormément de coachs pour surveiller tout ce qui est sécurité, tout ce qui est respiration, donc pour divulguer le plus d'informations possible au nombre de personnes. Le concept imaginé par les deux Guadeloupéens crée un mélange des milieux et des affinités entre les participants. Ici, pas de miroir ni de culte du corps. L'émulation et l'entraide contribuent à la motivation de chacun. C'est génial. Fatigant, mais en même temps, super. On a tenu le coup, grâce à mon coach perso, William et JB. Un grand, 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 grand bravo à mes enfants. Et je les admire depuis le premier jour jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai encore tenir avec eux, mais je les admire et j'apprécie énormément ce qu'ils font. 610, c'est le code postal de leur ville, Éragny, dans le Val d'Oise. William et Alexandre sont maintenant prêts à partir à l'assaut de l'Hexagone.